Je m'appelle Pierre-Philippe Lefebvre. Je suis enseignant de sociologie depuis plusieurs années au cégep de Granby. Je sens souvent que la sociologie est pas enseignée comme je voudrais qu'elle soit enseignée. Souvent, les manuels sont un peu traditionnels, sont un peu classiques. Puis j'avais vraiment envie de m'amuser, j'avais envie que ce soit drôle, j'avais envie que ce soit le fun, j'avais envie que ça puisse être immédiatement applicable. Et à temps perdu, j'écrivais pas mal chaque matin des notes sur ma discipline en général. Et ben c'est ça, j'ai écrit un manuel de sociologie pour les étudiantes et les étudiants. Ça s'appelle « Bad Sociologie », le manuel pour les « bad boys » et les « bad girls ». Fait que c'est pas un manuel conventionnel, un petit ouvrage, 150 pages, ça utilise l'humour, ça va directement au lecteur. Je veux qu'il puisse ouvrir le livre, rire, puis apprendre. Tu sais, je fais tout le temps le pari qu'avec l'humour, puis on va arriver à les rejoindre, que ça va les intéresser, qu'ils vont être un peu bousculés. C'est comme une expérience, en fait, toute cette affaire-là. Là, mon employeur chanceux m'a permis de faire une expérience en classe avec les étudiants. Fait que cette année-là, j'ai fait une démarche d'auto-édition. Fait que, tu sais, j'ai rassemblé tout ça, j'ai réduit le format, j'ai mis des couleurs, des photos. Je m'adresse directement à eux autres, je peux les tutoyer dès les premières pages. Je fais des blagues de clips qu'ils ont vus sur YouTube. Fait que mon but, c'était vraiment que ça soit jamais ennuyant. Je veux donner des outils aux élèves pour revenir au monde. C'est comme s'ils voient la société différemment, les rapports avec les autres différemment, ce que le groupe leur a fait aussi, fait que ça leur donne des choix sur leur vie. C'est vraiment de leur permettre d'évoluer dans la société de manière plus saine puis plus éclairée. J'essaie beaucoup de les bousculer. Évidemment, j'ai toujours autour de t'sais, entre 3 et 4 heures pour récupérer là, ce que j'ai désorganisé en classe, j'ai envie de dire. Là. Ça m'arrive de monter sur les bureaux, réciter un poème. J'ai déjà circulé en classe avec un bat de baseball et ainsi de suite. Fait que c'est très excentrique. Ça m'arrive de mettre de la musique très fort. J'ai déjà chanté une chanson. Si j'avais un souhait pour eux, ben moi, je souhaite que chaque étudiant, chaque étudiante se trouve ce qu'il cherchait, puis gagne confiance en eux autres, soit intéressé. J'essaie de tuer l'ennui, rien de moins. Fait que c'est pour ça que j'essaie de les bousculer. Je veux qu'ils se trouvent, je veux qu'ils me disent « ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, ça, ça me plaît, moi, je suis comme ça, ça, ça m'intéresse. » Tu sais, on est privilégié d'être en vie. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont énergiques. Il y a un monde de possibilités devant eux autres. Fait que pour moi, c'est une génération qui risque de changer le monde. L'environnement sera plus pareil, le rapport au genre et au sexe sera plus le même, le rapport à la politique sera plus le même. Puis je veux qu'ils sentent qu'ils portent cette espèce de flamme-là, puis qu'ils sont capables de le faire.